Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Surcoolou Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de garder ses PV et son bouclier à 100% pendant quelques minutes en une seule partie. Alors ce défi est un défi à étapes. La première étape est de garder ses PV et son bouclier à 100% pendant 2 minutes. La deuxième étape est de le faire pendant 4 minutes. Et la troisième étape est de le faire pendant 8 minutes. Alors bien entendu, pour chaque étape que vous aurez terminée, vous gagnerez 20 000 XP. Donc quand vous aurez fait les 3 étapes, vous aurez gagné 60 000 XP. Alors pour vous aider, je vais vous parler de la troisième étape qui est de garder ses PV et son bouclier à 100% pendant 8 minutes en une seule partie. Alors moi ce que je vous conseille, c'est d'aller choper un hélicoptère directement dès le début de la partie. Pour vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des hélicoptères. Quand vous aurez trouvé un hélicoptère, moi je vous conseille soit d'aller à Slurpee Swamp pour récupérer votre vie si jamais vous en avez perdu et pour avoir 100% de shield, donc 100% de PV et de bouclier en restant dans l'eau. Seulement, c'est peut-être une astuce un peu risquée parce que s'il y a quelqu'un dans les parages, ben il va vous tuer et va vous voler votre hélico. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller soit dans les alentours, dans un coin reculé où vous pensez qu'il n'y a personne et là, essayer de chercher après du shield et des PV pour vous mettre à 100%. Quand vous êtes à 100% de PV et de bouclier, là, vous prenez votre hélico et vous allez tout en haut de la map, le plus haut que vous pouvez. Et là, vous allez directement vers le centre de la zone. Et puis là, vous stagnez et vous attendez que les 8 minutes passent. Alors faites attention qu'il n'y ait pas un ennemi avec un hélicoptère qui vient essayer de vous choper. De toute façon, vous faites ce défi en solo. Je vous conseille de le faire en solo. Parce que si vous le faites à 4, le problème, c'est que s'il y a un autre hélico qui vient avec 4 joueurs, bah là, ils vont essayer de vous canarder et vous risquez de perdre des PV à partir de 6-7 minutes. Ce serait vraiment dommage que vous ayez perdu autant de temps. Donc je vous conseille de le faire en solo, vous allez tout en haut de la map et même s'il y a un autre hélico qui arrive, bah, il va devoir changer de place pour vous tirer dessus, son hélico va redescendre et il va galérer pour vous toucher et vous infliger des dégâts. Donc voilà, franchement faites-le en solo, stagnez au-dessus et attendez les 8 minutes tout simplement. Et voilà qui termine cette vidéo, j'espère que mes explications vous auront été utiles et vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Surcool Mec et ciao, peace.